Et oui, il fait nuit les amis. Allez, bonjour à tous, c'est Galax, on se retrouve dans une ambiance nocturne. J'espère que vous allez bien, chers Galaxiens, chers Galaxiennes. On est parti pour l'épisode numéro 7, après un épisode numéro 6, plein d'action. Quoique un petit peu mou pour ma part, c'est vrai que c'était une mission, ouais, que je me serais bien passé, mais on est en train de préparer le braquage. Et d'ailleurs, on doit aller faire une mission, vous allez voir, on va vers un endroit où il y a un lieu d'intervention, on doit intervenir par rapport à un véhicule, je crois que c'est ça, on l'a encore jamais fait. Donc on verra bien ce que ça donne. Écoutez, c'est indiqué avec un H sur la map et apparemment c'est la seule mission disponible pour le moment sur cette map. Donc on verra bien, écoutez. Ah, en plus il est en mouvement, nom de Dieu. En plus il est en mouvement, donc on va devoir faire gaffe. Putain, il est passé en dessous. Ok, je vois, il est passé en dessous, vite. Allez, on fait un demi-tour, rapidement, petit dérapage. Et on va aller chercher cette icône, on va aller en direction de celle-ci. On est parti, alors peut-être qu'il faudra tirer dessus, je sais pas, s'il faut tirer sur les mecs. Ou alors si c'est simplement intercepter une livraison, je sais pas du tout ce que c'est en fait. Peut-être reprendre du matos, parce que là oui, on est effectivement dans une idée de préparer le braquage. Donc on verra bien en tout cas ce que ça nous propose, je sais pas du tout. On va voir, donc apparemment ils sont sur l'autoroute, donc on va les avoir. Allez, on y va vite, 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 vite. On y va, en plus je suis avec une belle voiture qui est ultra rapide. Donc on devrait, je pense, aller assez vite. Alors par contre, ils sont passés à droite, ils sont passés à gauche, je crois à droite. Ouais, c'est ça. On passe à droite, heureusement que j'ai pensé à tourner. Allez, Coco, dépêche-toi. Feu rouge, tant pis, c'est pas grave. Allez, droite, gauche, droite, gauche. Droite. Apparemment, il y a la... Attendez, c'est quoi? C'est la police? Ils sont devant encore. Voilà. Ouais, c'est la police, ils sont en patrouille. Ok, ils sont en patrouille, je vois. Voler le véhicule de l'unité tactique du LSPD. D'accord, et comment je fais pour le voler? Ah, d'accord. Échec de... Ah, mais je viens de comprendre. Le camion a atteint le commissariat. Ok, faut l'empêcher d'aller au commissariat. En gros, dès qu'on voit qu'il a ça, qu'il y a un camion de la police sur la map, on y court dessus, ou plutôt on y roule très rapidement vers la direction, et tout ira bien. Ok, notre équipe d'intervention se trouve actuellement à H. Ok, c'est parti, on y va, go. Par contre, là, on se presse, parce qu'on sait qu'il faut pas qu'ils y arrivent. Bon, par contre, ce qui m'inquiète, c'est que je vais pas pouvoir passer de l'autre côté, si... Ok, ils sont là. Voler le véhicule. On y va, go. Vite. Dépêche-toi. J'ai pas d'armes, par contre je n'ai pas d'armes. Ça c'est embêtant. Ok, on va les arrêter. Ah, arrêtez-vous. Je n'ai pas d'armes, j'aurais dû en prendre. J'ai les boules. J'ai pas d'armes. Je peux pas l'arrêter, comment vous voulez que je l'arrête? Il va aller au poste comme tout à l'heure. Nom de Dieu. Oh. De calme. De calme. Je te dis que tu te calmes, je le vole, je le vole. Je le vole et je m'en vais. Dégage ta gueule, arrête de me tirer dessus. Oh putain, il tire dessus. Semer les flics. Ok, là je crois que c'est primordial. Ils sont en train de me prendre en chasse. Ah, ce qu'en fait c'est qu'il y en a juste ici. Est-ce que je peux faire le fifou et passer peut-être pas dessus, je sais pas, je pense pas. Faut peut-être qu'on... Attendez, vous savez quoi? On va s'arrêter, on va prendre par les petites ruelles, vu qu'il y a plein de policiers par là. Donc on s'en va, j'ai l'impression que je suis en alerte générale. Alerte générale! Comme on dirait dans taxi. Ah, il y a des policiers partout, ok, je vois. Il y a un policier en face, on va essayer de leur échapper. Allez, on se dépêche, on court. Apparemment c'est bon, plutôt on roule. On court, c'est le mec, il est en voiture. Non, c'est bon, ça doit le faire, là, je pense qu'on peut y aller tranquillement. Tranquillement, nous avons 3 étoiles de flic quand même. Oh, il y en a un là. On va abuser. Tant pis. Écoutez, on est obligé. Ah, il m'a repéré du coup. Ouais, dégage. Alors moi, je suis avec un blindé, hein. Donc là, un gros 4x4. Normalement, tu ne devrais pas faire le poids, mon gars. Allez, on va par là-bas. Normalement, je pense qu'on pourrait. Putain, non. Ce qu'il fallait pas faire. Rentrer dans le truc. Non, maintenant, faut que je les sème. Ok. Allez, du monde de partout. Regardez-moi ça. Ok, vous voulez jouer comme ça. On va vous rentrer dans le lard, alors. Ok, vas-y, venez là, venez là, venez là. C'est bon, on s'en va. Je pense pas qu'ils vont me suivre bien longtemps. En plus, c'est un véhicule qui est quand même assez lourd, qui est un petit peu blindé. Mais il est quand même ultra rapide pour selon que, justement, il soit blindé. C'est marrant, hein. On va s'arrêter, là. Hop. On est sur la plage abandonnée. Bah, elle est pas si abandonnée que ça, hein. Est-ce qu'on peut aller au bout? Bon, c'est la première fois qu'on arrive vers, vers cet endroit. Peut-être qu'on peut jouer au basket, je ne sais pas. Ce serait marrant. Tiens, allez, on va sur la plage. Ah, voilà! Sur la plage, espérons qu'il n'y ait personne qui se font des bains de minuit, sinon ils risquent d'être surpris. Allez, on s'arrête là. C'est pas la police ici au moins.
Non. Arrête les sirènes. Déjà, arrête les sirènes, ça ira peut-être mieux. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense qu'on est bien planqué ici. Honnêtement, je vois pas comment ils vont penser à venir là. On va voir. Espérons. Je prie en ce moment. Amen, Seigneur. Faites que Galax s'en sorte. Faites qu'il ne se fasse pas trouver par la police. Bon, honnêtement, je ne pense pas. Je pense que ça va être bon là qu'on va passer à travers. Allez, à l'usine de vêtements. Ok, nickel. Ils m'ont pas retrouvé. Ça fait du bien. Ah, je suis content. Voilà, donc première chose. De fait, dans cet épisode, ça fait du bien. Allez, en plus, on a fait un petit tour à la plage. En plus, on peut se décontacter. Si ça, c'est pas bien. Ah là, je vous jure. Oula, attention à toi. Il y a des voitures partout ici, regardez-moi ça. Très beau, il y a des voitures partout. Je suis curieux de voir par la suite aussi le contrôle en sous-marin, parce qu'apparemment, oui, il y a des contrôles en sous-marin. Attendez, est-ce qu'on peut... Non, pas le portable. La radio. Non plus. Radio, s'il vous plaît. Ah, il n'y a pas de radio. Ok, c'est encore mieux. Bon. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de radio. Ah, parce que c'est peut-être une voiture de la police. Ça doit être sûrement pour ça, je pense. Mais la sirène, dégagez, tout le monde s'arrête. Voilà, je pense qu'on peut utiliser, on peut faire le gros enfoiré, comme ça les véhicules, ils se mettent sur le côté. Regardez, hop, ah, mais dégagez, vous dégagez même pas, c'est quoi ce délire? Je suis policier, non mais oh, j'ai tous les droits, j'ai tout permis. Ah, je suis dieu de la route. Bon, apparemment ça ne marche pas vraiment, ma foi. Ça peut donner peut-être un léger avantage, mais c'est vrai que ça marche pas forcément super bien. Mais bon, écoutez, on fait avec, hein. Ouais, mais écoutez, c'est tout. Alors la direction, je sais plus où c'est qu'on va déjà. Bref, on le verra bien assez tôt, et c'est dans 1,10 km. Pas de problème, en tout cas j'espère que vous appréciez toujours autant ce let's play. Je rappelle quand même, pour aller voir les anciens épisodes, c'est sur la chaîne, ne vous empêchez pas. Enfin, surtout, allez-y. Si vous n'avez pas vu les anciens épisodes, parce que c'est vrai que c'est toujours important de pouvoir suivre un jeu dès le début, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas pu avoir le jeu, ou alors le jeu est trop cher, ou alors n'ont pas pu se le payer, etc. Et même quelqu'un qui fait le jeu en même temps que moi, ou qui a fait le jeu avant, et a envie de le suivre, ça peut arriver, hein, il y a plein de personnes comme ça. Moi, des jeux que j'ai déjà fait, j'ai vraiment envie de les regarder des fois, par exemple avec Frugiel, avec Sifano, avec tous les let's players. Remonter dans le véhicule, zut, ah oui, il fallait pas laisser le véhicule. Galax, à force de dire des conneries, tu vois ce que ça fait? Ok, allez go, il faut aller là, il faut aller le mettre à l'emplacement, au bon emplacement à gauche. Il y a un train, il y a un train. Ok, il faut aller là. Appel de Lester. Vers Lester, du moins. All right, Lester, I got us the tag team rifles. All right. Then this squad is ready to go. Come inside and meet the crew. Alors, tu vas me présenter l'équipe. Ok. Bah, j'arrive, écoute. Darnell Bross. Attention. All right. I want to say thanks for being a part of our little operation. We're all professionals. We all know the score. We're going to execute the plan. We're going to move quick. And we're going to keep cool. Anybody gets pinched. This meeting never took place. We don't know each other. Is that clear? Now, we've looked very, very carefully at the plans. We considered something more complicated, but given the location, the weakness of staffing, and the exit points, we believe that a more simple plan will work best. We're gonna hack in, disable security, and waltz right in through the front door. The security guard should be to our left. We neutralize him. 15 seconds later, you come in. I want extreme pressure applied to the staff. The customers are to be calmly subdued. I want one guy on crowd control while you and I empty out the merchandise from the cabinets. We're in and out in 90 seconds, guys. Franklin will handle your getaway. I'm leaving on foot. Any questions? Good luck, everyone. Let's go. Ok, ça m'inquiète quand même un petit peu, hein. Juste un petit. Ok, montez dans le fond, gros. Ah, je joue la place du conducteur. Il est bien habillé, en tout cas, il est classe, hein. Vraiment, il est costaud, finalement. Je l'ai vu un peu moins costaud, mais il l'est quand même, hein. Attention, hein. C'est des gros bras. D'accord. Ok, je vais y aller. Hop là, et ça craint vraiment. Là, j'ai la pression parce que c'est notre premier braquage. J'ai un petit peu la pression. Allez, les gars. Ouh là là. Alors déjà ils sont feignants. Déjà ça s'annonce mal. Ils sont très lents. Alors on va voir, mais ça craint le pire.
un fourgon. Allez, un petit braquage de la bijouterie, ça va faire du bien, ça va changer un petit peu de ce qu'on a depuis le début du jeu. Ça fait plaisir. On ne met pas de musique, si on peut. On peut mettre une musique pour se décontracter un petit peu. We're about to become accomplices in a major crime. I gotta be able to trust you with my life, my liberty, my reputation. Same goes the other way. A crew will only work, when there's trust. So, in the interest of fostering that type of relationship in the short time we've got, let me introduce myself. I'm Mike. I've done this type of thing before, more than a few times, and I've made good money doing it. Enough to spend a long time not doing it. I hope it goes without saying, I know a lot of people. Anyone yaps about me or any of you, you'll be dealt with. Got it? Good. Now, Frank, over to you. Yeah, man, I'm Franklin, dawg. And, I'm new to these kind of planned out detail robberies. I've done my share small jobs, you know, liquor stores, warehouses, boosting cars. Then I met this dude right here, Michael, man. And he turned me on to this thing. So, who's next? Michael DeSanto, formerly Michael Townley, right? Can I just say, you're the reason I got in the game, man. You're my inspiration, the original outlaw. I don't know what you're talking about, so stop talking. Be cool, man. Your secret's safe with me. Us? All right, this is Eddie Toe. He'll be cleaning out the cabinets and handling the getaway. He's got you some bikes for that. All you need to know about him is he's good. This is it. Let's move. La pression monte, les amis. Le braquage du siècle. Je flippe. Go get the bikes. Go. Ladies and gentlemen, this is your moment. Please don't make me ruin all the great work your plastic surgeons have been doing. On the floor now. Let's do this. C'est parti. Allez, B au proximité du pour voir les bijoux, c'est parti! Je veux les bijoux, je veux les bijoux! À mort, je veux les bijoux! Ah, eh, ça bug! On sera là dans Payday 2! Voilà! On s'en fout! On les tue! Allez, go, je prends les bagues, je prends tous les bijoux! Je prends tout, je prends tout. Là, la dame, j'étais obligé de la tuer. Vite, on va au fond, on va au fond. Ah oui, oui, oui. Oh, ça fait de l'argent, les dis-donc. Ça fait de l'argent, ça. C'est bon. Vous avez vu tout ce que je vais avoir? Putain. Il n'y a plus rien? Allez, on en prend encore un petit peu. On se casse, les amis. C'est bon, j'en ai eu assez. You forget a thousand things every day, pal. Make sure this is one of them. I'll see you at the river. Go. Go. C'est parti. Je joue Franklin. Let's go, on s'en va. Restez groupés, on s'en jaille, et la police est à nos trousses. 4 étoiles, mon dieu, 4 étoiles, ça va être dur. La première fois qu'on a 4 étoiles avec une motocross en plus. Ah, petit gameplay de motocross, ça va faire du bien ça, tiens. Et je vais rester avec les deux, on me tire dessus. Mon dieu, c'est quoi ça? Première grosse mission de braquage, ça fait du bien. Allez, on reste vers les deux autres. En tout cas, le jeu est très beau, hein, ici. J'adore les couleurs utilisées, mine de rien. C'est plus coloré, j'aime bien. Oulala, oulala, c'est parti, wouh! Et non, oh putain, faut passer là! Oh la vache, il y en a un qui est tombé, je crois! Mais attends, on est où là? Oh my god! Je pense pas qu'ils vont nous suivre ici, hein! C'est très scripté! My god, comme c'est chaud! On se croirait dans Fast and Furious en moto, quoi! Oh, c'est énorme! Et on a récupéré 4 millions! Ouais, bon, il y aura après le pourcentage, donc il y aura bien moins de sous pour nous. Je veux dire, si on a déjà 2 millions, c'est superbe, quoi. Génial. Wouh ! Mon dieu. Oh là, je vous jure. Ça va, la conduite en moto est plutôt arcade. C'est pas mal fait. Je trouve. Attention ! Wouh ! Faut faire attention, il y a des... Les effets de soleil aussi, c'est pas mal. Faut aller vite, hein.
Bon, je pense pas que si on ralentit un petit peu, on est mort. Mais après. Allez, on le suit à mort. Et il y a plus que lui d'ailleurs, hein, l'autre, je crois que c'est cassé la gueule. Juste avant l'entrée des tunnels. Ça fait flipper quand même. Oh là là. Franchement, je sais pas en vrai comment je ferais pour aller aussi vite dans un tunnel. Wow. C'est magnifique, ça, on se croirait dans Motorracer. Motorracer Underground. Je vois de la lumière. Yes, c'est bon ça. Moi j'en vois pas. Putain, fais me casser la gueule. Ah, là je vois de la lumière. Oh putain, là on est dans la merde. Oh mon dieu, vous arrêtez pas. Dégagez. My god. On s'arrête pas, on se file le long du ruisseau. On va y arriver. Éliminer les flics avant l'arrivée du point de rendez-vous. Les flics. Oh. C'est-à-dire, quel flic? Comment je vais faire? D'accord. Ah, et comment je fais? Non, non! Pas dans le lac! Ok, faut que je les pousse. Mais il faut pas chercher, faut les pousser. Attendez, faut que je les pousse, ils se dégagent! Boum! Toi, pareil. Je sais pas comment on va faire là. Ah non! Ah, je suis dans l'eau! C'est pas grave! Bon, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon, apparemment. Ah, shit! I should have paid for a better gunman! What happened to his part of the score? I managed to pick it up! Alright then, good work! Ok, donc en plus il l'a récupéré, donc heureusement que je n'ai pas payé plus cher pour un meilleur braqueur. Parce que vous vous souvenez, on avait sélectionné justement les braqueurs avant, mais apparemment il a pu la. Il a pu la reprendre, donc c'est bon, on n'a pas perdu d'argent là-dedans, donc j'ai bien fait, mine de rien. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? F, let's do this. D'accord. Lester's waiting for us at the lockup. Alors ça, vraiment, c'est un braquage très organisé. En participant à des braquages avec vous, les membres de l'équipe gagnent de l'expérience, leurs compétences s'améliorent à chaque braquage accompli. Ok, et voici un premier braquage. Oh, mais quel plaisir. Franchement, et la musique se remet en route. Ah là, j'ai gagné de l'argent. Alors combien, je ne sais pas exactement. Mais j'en ai gagné. Du cacash. Du cash. Hey, I thought I was gonna be stuck to that bike. Yeah, I thought you were gonna be stuck under a cop car. There gotta be more dudes waiting around that way. We did not just get away with that shit, did we? You know what? I think we did. Oh, man! Ha-ha! Woo! Ha-ha! Fuck! Oh, one step closer to retirement! We did it! Come on, nothing to see here. All right, people. We need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right. Okay. Huh? Mm-hmm. Oh, man. We're back in action. On reprend du service, et ça, ça fait plaisir. Oh que oui. Oh là là. Michael reprend du service, et de retour dans la vie de braqueur. Oh là là. Bon, moi je trouve qu'on s'est bien débrouillé, je ne sais pas vous, pour ce premier braquage dans le jeu, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. J'ai quand même tué une femme, bon, qu'il fallait pas forcément que je tue, mais bon, c'est pas grave, par de Madrazo, 2 millions, d'accord, donc déjà, j'ai payé Madrazo 2 500 000, ouais, c'est vachement cher quand même, hein. Part de Michael, 695 000, c'est tout, 211 000, ok, pour Franklin, Lester, 246 000, part de l'équipe, 422, 491, dépenses victimes, 184, ah oui, c'est vrai que quand on fait une victime, c'est pareil, on perd, d'accord, propriété protégée, c'est bon, saisie rapide, bon, pas génial, et par contre, j'ai eu quand même 19 sur 20, c'est pas mal, on va dire. You got money now, don't you get it? That ain't what I was looking for. Not then, not now, not ever. I know it ain't important. Just let me take you somewhere nice, all right? Where are you? Are you in a strip club? Grow up, stop looking for the easy way. To
Tanisha, I gotta go, all right? I'ma change, I promise. You won't even recognize me. Ah, d'accord, donc apparemment, c'est lui qui devait changer vu comme ma femme elle m'insultait. Je dois pas tout comprendre en fait. Voilà, Michael, retrouve-moi chez moi, l'argent sera déposé sur ton compte dès que Lester l'aura blanchi. Ok, bref, donc je ne vais pas me faire faire un striptease, une danse spécifique. Pas du tout, je vais retourner en dehors de ce bâtiment. Très sympa certes, mais on n'a pas que ça à faire. Go, on doit aller chez Michael. Allez, on sort. La lumière du jour, magnifique. Ma voiture. Ah, c'est ça? C'est ça, ma voiture? Je l'avais changée, normalement. C'était pas celle-là. Allez, on y va. Et mine de rien, on a changé de t-shirt et de jean, hein, apparemment. Ça, c'est marrant. Et on retourne, si on peut, chez Michael. On va y aller d'ailleurs. On a le grand M affiché sur la map. Attendez, je vais dézoomer. Attendez, faut d'abord que je sélectionne la map. On y va, on appuie sur M, et c'est parti, on va chez Michael, avec cette belle voiture qu'on a eue depuis le début du jeu, finalement, parce que oui, c'est la première voiture qu'on nous donne dans le jeu, c'est marrant. Et donc, moi, ce que j'attends le plus, ça fait un petit moment que j'attends, en fait, je vous en ai parlé aussi dans les précédents épisodes, j'attends de pouvoir acheter des habitations, si on peut, hein, je dis bien si on peut, dites-moi dans les commentaires si on peut acheter des habitations par la suite, parce que vraiment, c'est quelque chose que j'adorais dans le San Andreas, tout simplement. Je trouvais ça faisait un petit peu un aspect Monopoly, et je trouvais ça vraiment super. J'espère en tout cas qu'ils vont le remettre, parce que c'est un élément très sympa du jeu. En tout cas, de ce qu'il y avait dans GTA San Andreas. Allez, au petit virage, là. Petit virage. Alors, je n'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant d'aller voir des Let's Play. J'ai pris le mauvais chemin, tant pis, on va faire un retour. Hop. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir d'autres Let's Play, d'autres YouTubers, vu que je suis à fond sur le jeu. Actuellement, donc je n'ai pas eu le temps, je sais qu'il y a Vodka qui fait le Let's Play, je sais qu'il y a Raph, je sais que c'est tout déjà, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, et je sais qu'il y en a plein d'autres aussi, mais vraiment c'était les deux principaux, bon, que je sais, et que je connais un petit peu leur chaîne, donc du coup voilà, je sais que ces deux-là le font, et je pense qu'ils vont bien le faire, parce que c'est quand même des spécialistes de GTA, donc ça risque d'être quand même super sympa à regarder sur leur chaîne, donc voilà. De toute façon, à savoir un truc, c'est qu'on... Le problème avec ce genre de gros jeux, c'est que tout le monde le fait en let's play. Et je dis, bon, en même temps, c'est normal, vu que c'est le meilleur jeu, bon, actuellement, donc c'est normal que l'on veuille le faire. Mais après, est-ce que finalement, c'est bien de faire tous le même jeu? Voilà, c'est la question que je me pose. Parce que je me dis, oui, mais les abonnés, du coup, ils vont prendre qui? Ils vont prendre des spécialistes, et puis les autres, ils vont pas les regarder. Donc, dans un sens, moi je le fais parce que j'adore le jeu, parce que de toute façon, dans tous les cas, même si je faisais 5 vues, vous en avez rien à faire, je le ferais quand même. Voilà, parce que c'est un jeu que j'adore, c'est un jeu que de toute façon je fais de mon côté, donc autant le faire avec vous. Voilà, c'est ma mentalité, c'est que autant faire partager ce que je joue avec vous plutôt que de le faire en solo. Je trouve ça plutôt logique comme pensée, mais bon. Après, c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes pensées. Allez, on y va, go! Faut aller au M chez Michael, donc moi je rentre comme ça, je m'incruste. Oh, hey, there you are. What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked! Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. He's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Nothing. Really? Are believed to escape with millions of dollars worth of gems, oh. Precious stones, and rings. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. This other guy runs out of the shop, he pushes me over and says something like, you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. You want to get lit now, sugar? Pablo Ramazar makes 28 million. Trevor, baby, you want to smoke up now?
Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor! You been with my girl again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't leave make it right. Johnny, leave it. The crystal has got us, babe, but don't make it right. Don't make nothing right. Not what you've done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Fucking shit! Cut! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Wait! Et bah dis donc, c'est que ça commence sur les chapeaux de roue quand même, hein. Montez dans le pick-up, c'est parti. Mais j'ai vraiment l'impression que ça commence sur les chapeaux de roue, c'est un truc de fou. Et déjà Johnny de Lost and Damned est déjà mort. C'est super. Allez à Grapseed, un véhicule complètement différent, c'est un environnement différent. On dirait qu'on est plus dans la campagne. Enfin, nous avons accès à Trevor. Je me disais aussi, c'était étrange qu'on n'ait pas vu encore ce perso. Ça fait vraiment plaisir. Really? My cousin's there, but I don't find him. Wade, does this mean I don't have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny in the desert and then quiet down that bitch Ashley you was in, then they don't need to find out about it. You think it's clever to disrespect women? Disrespect? What? I wasn't disrespecting. I was just saying we should kill her. You called her a bitch. Ain't you got a mother? Everyone got mothers, at least one. Ah là, tout le monde a une mère, ça oui, c'est vrai que c'est une certitude. Mais regardez-moi, honnêtement, ce jeu, comme il est magnifique. Je vous rappelle quand même qu'on est sur console, hein. C'est quand même très très beau, quoi. C'est un truc de fou, il y a quand même un petit peu d'aliasing, mais faut vraiment chipoter, hein. Le reste, c'est vraiment super grand. Mais j'ai l'impression que la map est complètement immense. Ça me fait peur. Alors, ok, qu'est-ce qu'on a ici? Des motards, oula, c'est des Lost, ça, à mon avis. Hey, you seen Ashley Johnny's looking for? Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messin' with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy! Bullshit! Oh, I like it, denial! That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit! Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies! Mais où est-ce qu'ils vont comme ça? En tout cas, ce personnage de Trevor est complètement taré, effectivement. Ouais, il est complètement taré. Vraiment, vraiment, hein. Suivez la camionnette, on y va, go. D'accord, la camionnette et les motos par la même occasion, vu que c'est des motos du camp des Lost. On peut éliminer ces motards. Ouais, on peut. Bah, écoutez, on va les faire tomber, hein. On va pas chercher à leur tirer dessus, on va juste les faire tomber. Quoique...
Je sais pas comment on peut les rattraper en fait. Si. Ah. Non. Attendez que Wade monte. Je crois qu'il y en a un qui est sorti. Ah Wade, qu'est-ce que tu fous putain. Ici il est tombé. C'est un peu abusé ça quand même. Allez Wade, grimpe. Allez dépêche. Bon bah je crois qu'on les a perdus hein. Ouais d'accord. C'est ce qui me semblait. Alors est-ce qu'il faut le... Il fait ce qu'il faut tirer sur les motards ou sur les bikers, ou est-ce qu'il faut simplement les pousser, les percuter pour les faire tomber? Je ne sais pas du tout. Ça m'ennuie un petit peu, mais je suis curieux de voir. Parce que la visée, honnêtement, la visée avec les véhicules, c'est quasi impossible. Okay. Suivez la camionnette. Ah, plus qu'un. D'accord, je suis pas sûr que c'est ça, moi. On a eu un. Forcément, c'est déjà bien. Ah, je l'ai eu, c'est bon. Nickel. On a eu les deux motards. You need some seatbelts back here, or straps, or something. I can't see us taking out all the bikers disco, boss. I mean, there'll be some by that airstrip, and some over, you know, by that... If not today, their time will soon be upon them. Alger! D'accord, oui. C'est quoi, des loups, des furets, un petit peu de tout. En tout cas, la profondeur de champ dans le jeu est assez impressionnante, encore une fois. On voit très bien les montagnes loin, etc. Même si là, elles sont relativement proches. Oula. Un chemin de rallye. Un petit peu de rallye, ça fait du bien. Mais c'est vrai qu'on change complètement d'environnement par rapport à la ville. Et c'est ça que j'appréciais. À contrario, entre San Andreas et GTA 4, justement. Et on retrouve ça, justement, dans ce cinquième opus. Ça fait vraiment un grand bol d'air frais, en fait. Ça fait vraiment du bien. You know I'm not that good with the... Oh, I guess it falls to me then. Ah! Come on, come on! J'adore les sensations qu'on a aussi avec la manette en main vis-à-vis des des surfaces. C'est pas mal. Allez, alors est-ce qu'il faut leur tirer dessus ou quoi là? Je sais pas. Je sais pas du tout. À mon avis, on peut pas les arrêter. Ils s'arrêtent. Où ils s'arrêtent? Oulala. Oulala. Tuez les bikers, c'est parti. J'espère qu'on a une arme. Hop, ok, on a quoi? On a ça et on a le fusil à pompe aussi. Yeah, la classe. Ils sont où? Boum, Eden. Voilà, ça commence. Allez, go, 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 go. Mise à couvert. Wouh. Salut! Comment vas-tu? Oh putain, ils sont partout! Allez. Ah, bim! Je t'ai eu, il y en a partout. Oh, ça va pas être évident parce que j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu de partout là. J'ai mis de ma propre clientèle. Pas mal. Allez, viens là, toi. Oh, je l'ai eu! Oh, c'était beau! Celui-là, il était beau. Ça t'apprendra un petit peu. Pas mal. On est où? Il est complètement fou ce perso. Wouah! Maintenez. Oh putain, j'ai eu peur. Pour verrouiller rapidement l'ennemi derrière vous. Maintenez. D'accord. J'ai pas compris. Ah, je prends feu! Putain! J'ai pas compris pour éliminer un ennemi rapidement derrière. Wouah, qu'est-ce que c'est? Oh zut! Je suis mort! J'ai pas fait gaffe. Wow, c'est pas évident. Honnêtement, ce jeu n'est pas spécialement facile. On va recommencer la mission, c'est pas grave. J'espère qu'on recommence d'ici la fusillade. Parce que si on recommence depuis le début, au photoconduire, c'est pas cool. Par contre, le fusil à pompe vise trop loin. Honnêtement, c'est ce que je pense. On peut viser de trop loin, en fait. C'est pas cool. Allez, on se protège là.
Attendez. Alors, on va se la jouer avec le pistolet. Wouh! On a eu celui-là. Allez, celui-là aussi. On va avoir un autre par là. On va se planquer. Wouhlez! Allez, crève toi aussi. La jauge de compétences spéciales se remplit quand vous subissez des dégâts. D'accord, on s'en fout. Attention, on se planque. Attention! Ouais, je l'ai eu! Ça, c'est beau. T'as oublié comment marche ton klaxon? Nom de Dieu! Arrête! Maintenez R, puis... attends, R, oui. Puis LT. R. Ah, d'accord. D'accord, j'ai compris. Je vois, ouais. C'est compliqué parce qu'il faut faire un combo de deux touches pour se retourner avec LT et une autre touche. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Attention, il y a du monde par là. Ah! La vache! Attention! On se fait attaquer! Mon dieu! Vite, on se planque. Wow! Je t'ai vu. Boum! Et deux balles. En règle générale, il leur faut deux balles. Ok, il doit y avoir un autre dans la baraque. Allez, sors de là, Coco. On prend le pompe. Sors de là, je te dis. Je t'aurai. Tu es où? Il est par là. Il doit être juste là. Boum! Voilà! Oh, attention! Ouh! Il y a du monde là aussi. Oh putain, il est là-bas. Ouah, j'ai fait exploser! Boum! Ça fait mal. Franchement, ça fait mal. C'est énorme, ça. Et petit ralenti comme ça. Oula! Attention. Ah, il y avait un bidon explosif ici aussi. Allez, toi, tu crèves. On avance. On avance un peu, mais franchement, c'est le brasier total. C'est vraiment génial. Oula, il y a du monde. Les bikers! Regardez-moi tout ça. Ok, ça c'est fait. J'attends qu'il y ait du monde. Je t'ai eu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand chose. Je les attends, on y va. On y va, fusil à pompe. Attention, on se replanque. C'est pas évident, dès qu'on est à découvert, les mouvements du personnage sont relativement lourds. Voilà, toi je t'ai eu. Attention, monsieur, il y en a plein là-bas aussi. Il y a des ennemis partout. Autour de nos pick-up. Ah d'accord, je croyais pourtant que j'avais vu des indications comme quoi il y avait plein de points rouges sur la map. Ça m'inquiète, ça. Ok. Et bon, on y retourne. J'aurais plutôt pris une belle moto de biker. Ça aurait été marrant. Allez, on y retourne. I said go find a fucking ghost in Los Santos, all right? You looking for motivation? And get me Allez, some bouge. Sticky bombs. C'est parti, un fantôme à Los Santos. Rejoignez la caravane au bord de la rivière. Il est fou ce Trevor. It's one thing messing with tweaked out bikers, but the Aztecas, man. The Aztecas, it's just a name. Is he Illuminati as well? And a wacky, huh? One of the lizard people? I got this Chinese contact you can meet at the inn. He'll buy all the meth we can cook. Our enterprise ain't just about meth. It's about guns, too. The Aztecas control the guns, so we're taking them out. Okay. Il y a une jolie caravane ici. Avec une jolie parabole. C'est ma maison de vacances. Pousser la caravane dans la rivière. C'est parti. Wouh. Oh, c'est méchant ça. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Ciao, bambino. Complètement taré. What the fuck, Trevor? This is the fuck, my soggy friend. You are out of business. The Lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise, or they ain't going. Saying something don't make it true. Dans mes rêves. T'es sûr? D'accord. C'est cool.
Mais encore. Les gros barons vont pas être contents. Mais je m'en tape. Tais-toi. Ça fait du bien, bordel. Mine de rien, c'est vraiment super joli. Y a rien à dire. Allez, on remonte dans le pick-up. C'est parti. Comme on l'a bousillé, c'est quand même très violent, quoi. D'ailleurs, tiens, petit aparté sur encore autre chose. J'ai vu que Télérama, non c'est pas Télérama, c'est Téléloisirs, il me semble que c'est Téléloisirs. On critiquait le jeu vidéo, en règle générale, la violence dans les jeux vidéo, et a parlé du dernier GTA. Donc à cette occasion, ils ont critiqué d'ailleurs les jeux vidéo par rapport à... ils disaient, c'est ultra violent et tout. Je veux dire, à un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Mais bon, je veux pas plus en parler, mais c'est vrai que je pourrais en parler dans une chronique du routier, par exemple. Ça peut être très intéressant, tout j'en ai jamais parlé, finalement. Donc pourquoi pas? Maybe not today or tomorrow, but as soon as the moment is opportune. Understood. Yes, sir. If I say I'm fucking dead, then fucking dead I am. I'm not gonna raise my balding head on a beach in 10 years' time saying, all is well. Is this about the ghost? Michael fucking Donnelly, yes it is! Well, you told me about him. Your old running buddy. And who is the other one? Brad was the other one. Locked up in a federal penitentiary. When he finds out Michael survived that job. Yeah. What do you think happened? I knew what happened. I wouldn't be bemoaning these last 10 years I've spent in ignorance. Some say ignorance is bliss. For a man with an interest, some may say obsession, with the secret truth kept hidden behind historical events, that's a really weird thing to say. I was trying to console you. Get out of the car, Ron. Any time to think. Run! Voici la planque de Trevor. Vous pouvez sauvegarder le véhicule en les garant dans le garage ou les modifier dans n'importe quel garage de Santos Customa. Ok, et enfin le troisième personnage d'ami qui est débloquable. Oula, c'est quoi cette chambre? Oh là là, le Toddy. Sérieux? My god. On dirait en fait la caravane de Dirt 3 ou Dirt 2. En encore plus sale. D'accord. C'est le mec qui pense qu'à pisser et tirer son coup. Ok, ça c'est fait, c'est réussi. Monsieur Philippe, 70%. Rang argent, tiré à la tête 3 sur 12. Ah, pas cool, pas de survivant. 5 000 $ dégâts caravane, nickel. Et Lost and Damned, nickel. Voilà, donc petite référence, bien sûr, aux anciens avec Lost and Damned. Et on peut voir déjà que les indices sur la map, que tout simplement les missions sont affichées en rouge. Voilà, parce que le personnage de Trevor est indiqué en rouge également. Oula, c'est quoi ce téléphone? You know I don't like using these things. They're listening. Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you, and you know how I feel about that. Il est fou. Il est fou, quoi. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un coiffeur tout près. Alors, pour vous situer un petit peu, regardons, on est sur la map comparée à Los Santos. On est là, donc on est un petit peu plus haut, hein. Donc déjà, là, c'est grand, hein. Pour vous dire, là, c'est déjà très très grand, donc ici... Bon, pour aller jusque là, faut un petit moment, et il reste encore tout ça, La map est gigantesque. La map est quand même vraiment gigantesque. C'est un truc de fou. Voilà, donc en tout cas, les amis, on s'arrête là pour l'épisode numéro 7 du Let's Play sur GTA V. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. On a enfin pu débloquer Trevor et voir un peu à quel niveau de folie il est. Et ben, il est à peu près comme Vaz, en fait. Non, peut-être un petit peu moins pire. Quoi qu'on verra par la suite, ça va être... palpitant. Voilà, en tout cas, les amis, portez-vous bien. Vive les jeux vidéo et à la prochaine. Salut tout le monde.